Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle séance du programme 66 7000 chrono. C'est une séance spéciale canapé. Vous avez donc besoin d'un canapé pour bien réaliser cette séance. Voici nos trois exercices. Premier exercice, pompe. Prise large, donc on écarte bien les mains. Option genou au sol, une jambe tendue ou alors les deux jambes tendues. On amène la poitrine entre les deux mains. On descend la poitrine entre les deux mains et on pousse. On fléchit les bras, on descend bien la poitrine complètement sur le canapé et on pousse. On gaine bien la sangle abdominale, on rentre le ventre, on reste gainé, surtout si on a les jambes tendues. Donc on amène vraiment bien la poitrine entre les deux mains. C'est vraiment très important parce que souvent on a tendance à amener la tête ou les deux épaules à faire comme ceci. Donc il faut vraiment bien amener la poitrine entre les deux mains et avancer vers l'avant. Ça, c'est notre premier exercice. Deuxième exercice. On vient se placer dos au canapé, on vient poser un pied sur le canapé, on appuie sur la pointe de pied, le talon vers le haut, on fléchit les jambes, on descend bien le genou de la jambe arrière vers le bas, le genou de la jambe avant reste au-dessus du pied. Une fente, on revient debout, on recule l'autre pied, on se place, on fléchit les jambes et on se redresse. On garde le buste bien droit, on fait attention à ne pas trop se pencher vers l'avant et surtout on fait attention à ce que le genou ne dépasse pas la ligne des orteils. Souvent, on a tendance à fléchir uniquement la jambe avant et pas la jambe arrière. Il faut vraiment fléchir les deux jambes. Troisième et dernier exercice, on vient se placer avec les deux pieds sur le step, les genoux au sol, on appuie sur les coudes, élévation de bassin en planche. On vient se placer en planche, on repose les genoux au sol, on tend les jambes, on fléchit, on tend les jambes, on fléchit, là. Ça, c'est les trois exercices de notre séance. On pompe, 7 répétitions. Ensuite, on attaque les fentes. Une fente égale une répétition. Planche, élévation de bassin, 7 répétitions. N'oubliez pas, on fait l'entraînement ensemble, mais pas les exercices. Suivez-moi pour les premiers tours et ensuite, essayez de trouver votre propre rythme. Dans la prochaine vidéo, on s'échauffe et on attaque tout de suite les 7 minutes. C'est parti. Avant d'attaquer les 7 minutes, je propose d'effectuer un petit tour de chauffe. C'est parti, on se place, prise large au niveau des mains, on va commencer genoux au sol. Donc les genoux au sol, on avance un petit peu le bassin vers avant, on ne garde pas les fesses au-dessus des genoux. On descend la poitrine et bien sur le canapé et on repousse. On descend bien la poitrine entre les deux mains, on va faire à peu près 7 à 12 répétitions. On fléchit, on pousse, on fléchit, on pousse, n'hésitez pas. Avoir les mains vraiment assez larges, hein, les doigts un petit peu à l'extérieur. Hop. Inspire et on expire, on pousse. On reste gainé au niveau de la sangle abdominale. Allez, encore une ou deux répétitions. Parfait. On se redresse, on vient se placer dos au canapé, on prend un petit peu de distance, on vient poser un pied, les orteils sur le canapé, on fléchit la jambe, on se redresse, on revient en position debout et on change de jambe. Vous pouvez placer les poings au niveau de la taille, ça va vous permettre bien de vous équilibrer. On redresse la poitrine, n'oubliez pas, on fléchit les deux jambes, on amène le genou arrière vers le sol et le genou avant reste bien au-dessus du pied. Donc essayez d'avoir un bon écartement au niveau des jambes. Souvent si on est trop près, on ne sera pas bien placé. Donc n'hésitez pas à bien reculer. On est placé sur deux skis ici pour avoir un bon équilibre. Donc les pieds à peu près écartés largeur des hanches. On garde les pieds écartés largeur des hanches dans la fente. Allez, encore deux répétitions à droite et à gauche. Parfait. On se place les deux pieds sur le canapé. Troisième exercice, les genoux au sol. On appuie sur les coudes. On joint les mains. On appuie sur les orteils. On monte le bassin vers le haut. On a une belle planche. On fait une belle ligne droite
cheville, bassin, épaule. On pose les genoux et on monte. Là. Hop. On fléchit. On contrôle la descente. On vient poser les genoux en douceur. On prend appui et on monte. Hop. On aspire le nombril vers la colonne. On serre la taille. On contracte le périnée et on remonte vers le haut. Ça, c'est pour les dames, bien sûr. Pour les hommes, on contracte les sphincters. On remonte tout ça vers le nombril. Allez, encore deux répétitions. Parfait. Allez, c'est parti. 7 minutes chrono, on démarre. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Placez-vous pour les pompes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 7 pompes ici. On commence le premier tour. Eh bien, genou au sol. Allez, deuxième exercice. Une fente, une répétition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on ne perd pas de temps. On se place tout de suite. On appuie. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on tend bien les jambes. 6. On pousse les talons vers l'arrière. 7. On repart sur les pompes. 5. Petit à petit votre rythme. Je suis déjà ici sur le deuxième tour de fente. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre au début et après essayer de trouver votre rythme, un rythme plus rapide ou plus lent. L'important, c'est que ce soit votre rythme. On est sur la première phase, donc on est toujours dans l'échauffement. Niveau de difficulté des exercices, le plus facile. Allez, n'oubliez pas dans les fentes, hein. Garde le buste droit. On fléchit bien les deux jambes. Deuxième phase, on augmente l'amplitude et la vitesse des exercices. Allez, on repousse bien le sol ici avec les coudes, hein, dans le gainage. Niveau 2 ici, vous pouvez avoir une jambe tendue. Ou toujours les deux genoux au sol. C'est vous qui choisissez la difficulté des exercices. Allez, les fentes, on augmente l'amplitude. On descend un petit peu plus bas. On vérifie bien toujours que le genou avant reste bien au-dessus du pied. Allez, on accélère ici, surtout la montée, on accélère la montée, on contrôle la descente. Ici, on tend la jambe mais on a toujours le bassin vers l'avant. Hein. Donc le poids du corps vraiment sur le canapé.
Allez, on va arriver à la troisième phase. Troisième niveau ici, jambes tendues pour les pompes. Allez, troisième phase, c'est parti. Vous pouvez choisir le niveau de difficulté le plus difficile. Mais vous pouvez également utiliser des options. Donc, c'est-à-dire garder les genoux au sol pour les pompes. Ne pas descendre trop bas pour les fentes. Si tout va bien, on descend bien au niveau des fentes. On essaie de descendre à peu près les fesses au même niveau que le genou. Allez, et on augmente bien sûr la vitesse hein, maintenant. Allez, allez, allez. Une minute. Allez, allez. Allez, 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 allez. C'est bon. Terminez l'exercice sur lequel vous êtes. Parfait. Très très bonne séance d'entraînement. Comme d'habitude, dites-moi que vous avez pensé de cette séance, eh bien tout simplement dans la zone de commentaires ci-dessous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Find with you instead.